Jérôme Méglet, directeur adjoint de la rédaction du Point, toujours ensemble ici à Nice pour cette journée La Ville, Nouveaux Horizons. Nouveaux Horizons, car il faut bien le dire, les exigences à l'égard des villes sont énormes. Sont-elles toujours attractives? Font-elles vraiment l'objet d'un rejet? Et le Covid l'aurait-il accéléré? Vous allez en parler dans un instant avec votre invité. Je vous propose tout d'abord d'entendre Stéphane Moquet, qui est directeur général d'Orpi France. Nous lui avons posé la question, y a-t-il une chute démographique des métropoles? Alors, je pense que le mot chute est un peu fort. On a vraiment un phénomène depuis le premier confinement, c'est celle d'une migration des Français vers des villes qui sont aujourd'hui ce qu'on appelle des villes moyennes, un peu au détriment des grandes métropoles. Et on a vu un marché, par exemple parisien ou même lyonnais, connaître un ralentissement de la demande, qui est probablement l'accélération de certains projets qu'avaient des Français de se mettre au vert, mais qui a été aussi accélérée par une période de confinement qui était compliquée et dont la question de son cadre de vie, c'est encore plus posé dans ces moments-là. Il y a à peu près, on le constate nous, 20% hein, qui sont des jeunes, plutôt des jeunes actifs de moins de 35 ans, qui sont toujours dans cette recherche entre un équilibre vie privée et vie professionnelle. Et c'est vrai qu'ils sont souvent dans des fonctions qui permettent aujourd'hui de faire du télétravail, sont beaucoup plus demandeurs de ce format hybride entre aller au boulot et travailler chez soi, et qui ont pu accélérer leur projet et pouvoir partir au vert. C'est une génération, on le voit dans les entreprises, qui sont plus difficiles à manager, puisqu'il y a cet équilibre qui... Avant, c'était l'ascenseur social, c'était ça qu'ils recherchaient. On arrive à leur construire des parcours. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus sur le projet et demandent un équilibre avec la vie privée beaucoup plus importante. Moi, je le vois dans mon entreprise. On avait une journée de télétravail. Aujourd'hui, on est passé sur une convention à 2 jours. Hors période de confinement, bien entendu, et de Covid, on ne pourrait pas revenir en arrière. Donc il y a des entreprises qui ont fait une vraie mutation dans leurs organisations, qui ont permis à ces jeunes actifs de pouvoir télétravailler. Et ces jeunes-là sont ceux qui sont partis en premier. D'abord, peut-être un point sur cette migration. Il y a ceux qui ont accéléré le projet, parce que le confinement a été le déclencheur, et ceux qui ont créé le projet. Le projet s'est créé pendant cette période-là. Les régions, on parle des villes moyennes, alors c'est vrai qu'il faut un peu les situer. On a vu Nantes, La Rochelle, Le Havre, Limoges, des villes qui n'étaient pas toujours très attractives. Il y a toujours évidemment tout le bassin méditerranéen qui continue d'être attractif parce qu'au-delà d'être un peu ouvert, on a aussi la mer et le soleil. Donc des villes comme Marseille et Nice, il y a une vraie tension sur le marché, il y a de moins en moins d'offres. Et ce sont des villes qui aujourd'hui commencent à recevoir une population d'actifs. Avant, il y avait beaucoup de retraités. Aujourd'hui, c'est ces générations-là qui commencent à arriver. Alors, ils sont aussi un demandeur que la collectivité autour s'organise. C'est-à-dire, quel est mon mode de transport? Comment je peux rejoindre quand même rapidement, souvent la capitale, parce que c'est là où le siège se situait? Quelle est la qualité numérique? Ça va être un vrai enjeu demain pour les collectivités. Et puis après, l'environnement culturel et l'ensemble de la vie de commerce, on va dire. Pour des villes qui étaient moins habituées, je pense à Limoges par exemple ou Le Havre, qui étaient moins habituées à recevoir une population d'actifs. Donc on n'est pas complètement ouvert, mais on est vraiment sur des villes qui retrouvent un attrait. J'en ai cité quelques-unes, je pense aussi à Clermont-Ferrand, voilà, qui sont des régions où il n'y avait pas beaucoup on va dire de migration, de flux migratoires sur des Parisiens ou des Lyonnais qui pouvaient bouger, et qui retrouvent aujourd'hui un attrait. Mais il faut vraiment avoir penser son projet avant et avoir mesuré tous les impacts que ça peut avoir autour de ça. Alors, c'est intéressant sur notre site orpi.com, on mesure plusieurs choses. D'abord, le premier, c'est que 73% des demandes sont des demandes de maison. Là où on avait plutôt, il y a 2 ans, un équilibre voilà, maison-appartement, 57% mettent comme critère jardin et 20% piscine. Donc déjà, voilà, ça situe évidemment le type de recherche de biens. Et puis on a des villes qui n'étaient pas du tout dans le top 5, c'est-à-dire Paris, là encore, a été au premier trimestre, mais commence à sortir. Et effectivement, des villes que je vous citais, Marseille, Nice, La Rochelle, toutes ces villes-là ont un pourcentage de recherche qui est beaucoup plus important qu'il y a 2 ans. Moi, je pense que durablement, alors après, on ne va pas faire de projection à 10 ans, mais durablement, ça change quand même fortement la donne. D'abord, le télétravail, bon, n'est pas évidemment possible pour tous.
mais en tout cas, elle s'est quand même inscrite dans les entreprises, pour ne pas revenir en arrière, que la vraie question de la qualité de vie, elle s'est posée pendant le confinement. On voit sur Paris la difficulté de vendre un bien où il n'y a pas un espace vers l'extérieur, un balcon, je ne parle même pas de terrasse ou de jardin évidemment, mais on voit que c'est plus difficile à vendre aujourd'hui. La surface est très importante. Quand on est avec deux enfants et qu'on a vécu dans 80 mètres carrés, bah, on découvre qu'on peut vivre avec une grande surface au vert, avec une qualité de vie. Si je rajoute la pénibilité des transports dans les grandes métropoles, je pense qu'il y a des gens qui ne reviendront pas en arrière, quitte même à mettre en je vais pas dire en danger, mais en tout cas à revoir leur projet professionnel pour garder cette qualité de vie. Alors, je pense qu'on est dans un vrai phénomène. Là où il y a un enjeu, c'est comment les collectivités locales vont s'organiser derrière pour assurer, ne serait-ce que l'éducation des enfants, avoir la fracture numérique, il y a encore des zones blanches dans des territoires, c'est compliqué. Voilà, j'étais à Castres il n'y a pas très longtemps, vous avez des endroits où il y a encore des problèmes de réception. Ça paraît surprenant quand on est là avec la 5G au cœur des villes. Vous avez évidemment le mode de transport, il va falloir que les collectivités aillent vite. Alors il y a des mouvements qui sont organisés, comme Action Cœur de Ville, qu'on compris qu'il fallait revitaliser les centres-villes, et puis c'est une question aussi globalement d'urbanisme, il faut voir le projet de manière globale. Il y a des collectivités, il ne faudra pas qu'elles ratent le virage, parce que sinon, elles vont décevoir et ne pas pouvoir accueillir convenablement ces nouveaux Parisiens, on va dire. Intéressante cette interview de Stéphane Moquet sur l'évolution telle qu'il la constate, en tout cas. Jérôme Béglet, vous êtes maintenant en compagnie de votre invité Chloé Voisin-Bermuth. Bonjour Chloé Voisin-Bermuth, je vous présente en quelques mots. Vous êtes géographe et sociologue, directrice des études et de la recherche de la Fabrique de la Cité. Vous nous entendez bien ? Parfaitement bien. Parfait, nous aussi. Alors, première question un peu large, mais qui va nous mettre tout de suite au cœur du sujet. Que reproche-t-on aujourd'hui aux métropoles ? Oui, effectivement, c'est une question qui est très large, mais qui est assez intéressante. Peut-être que je vais botter en touche et déjà répondre par le fait qu'on reproche beaucoup de choses aux métropoles, mais c'est absolument rien de nouveau. Si on relit un petit peu la littérature du 19e siècle, on se rend compte que c'est un véritable topos de la littérature, la peur des métropoles, le reproche qu'elles sont trop grandes, qu'elles grandissent trop vite, qu'il y a trop de monde, que le vrai monde, c'est le retour à la terre, l'attachement à la terre, l'attachement au village. Donc, c'est rien finalement de très, très nouveau. Mais malgré tout, pour répondre à votre question plus directement, je dirais que si on veut vraiment parler des reproches que l'on peut faire aux métropoles, il faut distinguer plusieurs choses. La première chose qu'il faut distinguer, c'est qu'il y a des reproches qui sont fondés sur des données qui sont objectivables, c'est-à-dire, et ça n'a rien à voir avec la crise du Covid, mais c'est effectivement des diagnostics qui ont été déjà faits sur le fait que l'accumulation métropolitaine peut poser certains problèmes pour lesquels il faut trouver des solutions. Je pense particulièrement à la question de la pollution, qui est une question qui est majeure dans les métropoles et qui se pose effectivement de façon moindre dans les villes moyennes ou de façon très différente dans les campagnes avec des pollutions qui sont plutôt dues à la question des intrants agricoles, etc. Mais en tout cas, dans les métropoles, la question de la qualité de l'air extérieur et de la qualité de l'air intérieur sont des questions qui sont majeures, mais pour lesquelles on peut essayer de trouver des solutions. Ça ne remet pas en question fondamentalement le fait métropolitain. On peut aussi parler de la question de la taille du foncier, du coût du foncier, la question de la qualité des logements dont il vient d'être question, ou une question qui est de plus en plus majeure et très d'actualité aujourd'hui avec la COP26, la question de l'empreinte carbone des métropoles qui effectivement pose problème. Pourquoi ? Parce que, par exemple, si on prend l'empreinte carbone d'un pays, on se rend compte que ce sont les trois plus grandes villes qui majoritairement sont responsables de l'empreinte carbone d'un pays. Donc, il y a tous ces faits objectivables et sur lesquels on peut discuter et trouver des solutions. Ensuite, on a d'autres types de reproches. On a des reproches qui sont davantage des batailles d'imaginaire. Et là, c'est surtout ce à quoi on a affaire face aujourd'hui avec la crise du Covid et avec cette bataille entre les villes moyennes et les métropoles, où on se rend compte que finalement, l'ensemble des arguments qui sont apportés peuvent varier. Finalement, si on prend cette question de la fourmilière des métropoles, où on entend très souvent le fait que les métropoles, il y a trop de monde, c'est trop chargé,
Donc ça, c'est un peu le discours actuel où on peut dire à bas les métropoles. Mais d'un autre côté, dans une autre époque, il y a quelques années, on pouvait dire que les métropoles, bien au contraire, cette fourmilière, c'est quelque chose qui est absolument formidable, exaltant, parce qu'on peut rencontrer des personnes qui sont différentes de soi, et c'est aussi le lieu de l'émancipation, parce qu'il y a tellement de monde, tellement différent, des modes de vie tellement différents, que finalement, on peut soi-même réussir à s'émanciper, à se développer, à s'épanouir. On peut prendre un autre argument qui est apporté très, très, de façon assez prégnante aujourd'hui, c'est la question de la solitude dans les métropoles. Donc il y aurait beaucoup de monde dans les métropoles, mais finalement ça ne permettrait pas de tisser des liens ou des liens suffisamment forts. D'un autre côté, si on prend une autre époque, on pourrait dire que les métropoles, au contraire, sont le lieu où, du fait de cette émancipation qui est permise, on peut nouer des véritables relations avec des gens avec lesquels, finalement, on peut être tout à fait sincère et honnête parce qu'on n'a pas la pression de la société du village, de ce regard qui ne permet pas d'être soi-même. Et si on prend, par exemple, un dernier argument qui est celui qui est assez original et qui est intéressant et qu'on a beaucoup entendu parler lors de la deuxième édition des Rencontres des villes moyennes, où beaucoup de maires de villes moyennes nous ont fait l'honneur de participer à cet événement. La question démocratique et du rapport au pouvoir, de la proximité du pouvoir, a été beaucoup débattue. Mais pareil, c'est un argument qui a double tranchant. Effectivement, certaines villes moyennes ont pu évoquer la proximité des élus par rapport à leur population, le fait qu'il n'y avait pas de rendez-vous à prendre pour pouvoir être entendu par le maire ou par ses adjoints. Mais d'un autre côté, on voit aussi dans les métropoles des initiatives extrêmement intéressantes, que ce soit en termes de budget participatif, que ce soit en termes de démocratie directe, que ce soit en termes de propositions de mode de vie alternatif. Donc vous voyez, là, on est plutôt sur des batailles d'imaginaire, et en fonction des normes de société et de valeurs, on peut changer. Et peut-être un dernier point. Allez-y, oui. Là, je serai très rapide. C'est la question que, finalement, derrière cette question de la métropole et des reproches qui peuvent lui être faits, finalement, la question le véritable objet qui est visé, c'est finalement un modèle économique et d'organisation de la société, que ce soit le capitalisme, le libéralisme ou l'idéal de croissance. Alors, ce que vous dites m'inspire deux questions. D'abord, on dit que les métropoles perdent des habitants, se vident. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une antienne qu'on serine sans beaucoup de preuves? Est-ce que ce ne serait pas plutôt la ville principale de la métropole qui se vide, qui perd des habitants au profit des communes peut-être moins grandes qui sont dans ses alentours? C'est une question qui est intéressante. Est-ce que les métropoles se vident? Pas, effectivement, vous avez raison de faire une distinction qui est forte entre la ville-centre et les communes périphériques. Et il est aussi extrêmement important de faire des distinctions entre qu'est-ce qui ressort du désir de partir et qu'est-ce qui ressort du véritable déménagement dans une autre ville. Et on se rend compte que le désir de partir des métropoles est fort. Ça, il y a eu... Est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau ou est-ce que la crise du Covid a permis finalement d'exprimer un désir qui était déjà là et qui avait du mal à s'exprimer parce que l'acceptabilité sociale n'était pas là? Ça, j'en suis absolument persuadée. Après, en termes de... Vous voulez dire en fait que les gens veulent partir mais ne partent pas? Ils rêvent d'eux mais ils ne passent pas à l'acte. Il y en a qui partent, il y en a qui reviennent aussi, parce que en fait, le fait de partir d'une ville est motivé est conditionné par deux choses. Le premier, c'est le fait qu'on se rend compte qu'il y a une grande inertie dans le fait de pouvoir partir ou de ne pas pouvoir partir dans les trajectoires résidentielles, parce que l'on soit propriétaire ou que l'on soit locataire dans le logement, le fait de le quitter, c'est toujours une démarche qui est assez lourde. Et ensuite, le facteur principal qui va motiver un déménagement, enfin le fait qu'on déménage réellement, c'est l'emploi. Et là, pour le coup, la géographie de l'emploi est très, très claire. Les zones qui continuent encore aujourd'hui à créer massivement de l'emploi, ce sont les zones métropolitaines. Du coup, ce dont on peut se rendre compte, c'est que à l'issue de la crise liée au coronavirus, les zones géographiques qui gagnent
le plus d'habitants, ce sont soit des villes moyennes qui ont effectivement déjà un marché de l'emploi qui était dynamique et qui s'est renforcé, notamment des marchés de l'emploi qui ont des activités qui gagnent après la crise, soit ce sont des villes dans la périphérie, parfois dans la très grande périphérie, des métropoles. C'est-à-dire que les métropolitains gardent leur emploi dans la métropole, mais acceptent grâce et à la faveur du télétravail de faire des distances qui sont beaucoup plus importantes parce qu'ils ont 2 jours de télétravail et donc ils n'ont que 3 jours à faire ces mouvements pendulaires. Donc là, on peut parler de cette grande couronne, Troyes, Reims, etc., qui gagnent des habitants, ou le grand bassin parisien, donc des villes plus rurales, connotation plus rurale, dans la grande banlieue, donc dans la troisième couronne du bassin parisien, qui sont les villes qui ont gagné. Mais là, vous posez aussi la question des transports. C'est une question majeure, qu'il soit de transports publics dits en commun ou que ce soit des transports privés. Si on se met en lointaine périphérie, en troisième couronne, comme vous l'avez dit, même si on télétravaille 3 jours par semaine, il y a une nécessité de pouvoir se rendre relativement facilement et sans perdre 3 jours dans les embouteillages sur son lieu de travail. Oui, c'est... Là, c'est le Parisien qui parle, voyez, qui subit les embouteillages matin, midi et soir. Et même la nuit maintenant. C'est une question qui est majeure, mais qui là aussi nécessite pas mal de nuances. Elle est majeure parce qu'effectivement, il y a deux questions en fait dans cette question des transports. Il y en a une qui est très individuelle, à savoir qu'on a cette tension entre, que vous évoquez, entre mobilité contrainte subie, donc qui est devenue insupportable à l'issue de la crise liée au coronavirus pour nombreux d'entre nous. Et de l'autre côté, on a la volonté de pouvoir aussi continuer à choisir sa mobilité et ne pas être restreint dans son comportement de mobilité. Et ça, c'est la crise des Gilets jaunes qui l'a très, très bien montré. Une sorte de tension sur cette réglementation du type de mobilité auquel on peut avoir droit, parce que la mobilité reste un acte fort de liberté et d'ouverture à l'autre. Ça, c'est une première dimension. Et naturellement, la deuxième dimension qui est extrêmement importante, c'est celle de la décarbonation. Obligatoire de ce secteur qui est responsable d'environ 24% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Donc, on est sur quelque chose qui est absolument majeur, et notamment la question de la route qui prédomine dans cette question des transports et de la voiture individuelle. Mais là, attention, parce que le fait d'aller dans des villes moyennes ou effectivement d'aller dans la grande banlieue peut poser des problèmes majeurs en termes d'émissions de gaz à effet de serre et d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, parce que ce n'est pas parce qu'on se déplace moins souvent que forcément on va avoir des comportements qui sont beaucoup plus vertueux, à savoir qu'on peut continuer à utiliser son véhicule individuel pour faire des distances qui sont plus longues, certes moins souvent, mais plus longues et donc aussi émettrices. Et le problème qui se pose en termes de transport, c'est que naturellement, dans les villes moyennes, on se rend compte, et ça c'est voir dans les campagnes, ça c'est la désillusion de nombreux métropolitains qui étaient habitués à un système de transport en commun particulièrement efficace. Donc cette désillusion consiste à se rendre compte qu'on ne peut pas faire grand-chose dans les villes moyennes si on utilise exclusivement le système de transport en commun ou le vélo ou la marche à pied, parce que les infrastructures ne sont pas là et ce n'est pas forcément possible de développer une infrastructure de transport en commun qui soit efficace dans les villes moyennes. Donc, des alternatives doivent être trouvées dans cette problématique de décarbonation de la mobilité. Un petit point de vocabulaire, si vous le permettez, Chloé Voisin-Bormuth. Vous parlez beaucoup des villes moyennes. Finalement, oui. Qu'est-ce que c'est qu'une ville moyenne ? Quelle serait la ville que tout le monde connaîtrait, que beaucoup de gens connaîtraient, qui serait la définition presque archétypale de la ville moyenne ? Ah, ça c'est une question. Là, je vais botter en touche. Je ne pense pas justement qu'il y a une ville moyenne archétypale. Pour vous répondre plutôt de manière très scientifique, il y a même de manière scientifique, ça va être compliqué parce qu'il y a des définitions qui sont très différentes en fonction des organismes de recherche. En tout cas, celle que nous avons retenue à la Fabrique de la Cité qui fait plus ou moins consensus, ce sont des villes c'est surtout une question de démographie, de concentration de population, donc ce seraient des villes qui ont une population entre 20 000 et 100 000 habitants. Parfois, ça va même jusqu'à 200 000 habitants, donc vous voyez que par rapport à la géographie de la France, on a des situations qui sont très différentes, que ce soit le Creusot ou que ce soit une ville moyenne dynamique
Le de type Havre. Saint-Raphaël ou Colmar ou Lens. Enfin, on a des dynamiques. C'est pour ça que c'est très difficile de dire il y a une ville archétypale. Et d'autant plus, et ça c'était très intéressant l'année dernière, qu'on a mené un sondage avec la Fabrique de la Cité, les instituts Kantar et Potlock sur la perception des Français des villes moyennes. Et la question qu'on leur a posée, c'est pour vous, qu'est-ce qu'une ville moyenne? Où ils étaient assez libres de répondre, et on se rend compte que les définitions sont extrêmement variées, qu'on peut considérer que finalement, pour certains, la ville de Valence est déjà une grande ville, mais par contre, pour les Valences, ça va être la ville moyenne, parce que c'est la ville où on habite. Donc, ou ça va être la campagne, au contraire. Ou par exemple, la perception de Cahors, c'était de dire que Cahors, finalement, c'est une ville à la campagne. On est sur une petite ville, alors qu'on est quand même sur une ville moyenne déjà dans les statistiques. Donc, en termes de perception, c'est encore plus difficile à définir qu'en termes D'accord. statistiques. Est-ce que vous constatez que ces villes moyennes exercent en ce moment un attrait particulier sur les habitants des grandes villes ou des métropoles? Ou est-ce que là aussi on est allé un peu vite et c'est un refrain un peu trop vite rabâché? Alors, je pense que les métropoles continuent à avoir leur mot à dire. Ça c'est certain parce que pour toute une partie de la population, les métropoles gardent tout leur attrait et c'est une chance extraordinaire qu'on peut avoir en France d'avoir des métropoles qui sont aussi de statuts très différents entre la métropole branchée sur la mondialisation, la ville-monde Paris, des métropoles régionales qui sont grandes de type Marseille dont on a parlé ce matin, Lyon, Rennes, donc qui se rapprochent de cet idéal métropolitain assez effervescent, et avec des métropoles qui pourrait glisser assez rapidement dans la catégorie ville moyenne, que ce soit Reims, que ce soit Orléans, etc., donc qui ont un caractère provincial plus accentué. Donc là, déjà, quand on va parler de métropole, on est encore une fois, sur une grande diversité, et du coup, j'insisterai sur le terme de richesse de typologie de métropole. Et pour les villes moyennes, c'est exactement la même chose. C'est que on se rend compte que certaines villes moyennes vont gagner des habitants et gagnent des habitants. On parle de cette fameuse France en U, donc c'est-à-dire les littoraux, donc toute la façade atlantique, ensuite la façade méditerranéenne, et vous remontez sur le couloir rhodanien. Ça, c'est vraiment la France qui attire énormément. Mais ça n'a rien à voir avec le Covid. C'était déjà une tendance forte. Et d'ailleurs, enfin, ce qui était encore le CGET avait publié une prospective territoriale qui se confirme aujourd'hui à l'issue du Covid, où c'était les villes qui allaient gagner. Et par contre, on a des villes qui continuent à perdre des habitants et qui sont des villes moyennes et qui ne séduisent pas parce qu'il n'y a pas d'emploi ou parce que ce sont des villes qui sont marquées par un passé industriel et une désindustrialisation difficile, et parce qu'elles ne correspondent pas aujourd'hui à cet idéal de qualité de vie qui est recherché et qui est surtout lié à la question de l'héliotropisme ou de la façade maritime. Donc là, je vais parler naturellement avec ce dont on connaît bien cette fameuse France du vide, la diagonale du vide, enfin, voilà, donc ce grand axe qui traverse la France entre le centre jusqu'au nord-est. Ouvrons peut-être un petit chapitre sur Paris. Est-ce que Paris est une ville qui aujourd'hui n'attire plus, qui perd des habitants, qui n'a plus le pouvoir un peu émotionnel qu'il ou elle avait il y a quelques années, ou est-ce que là encore, on est allé un peu vite en besogne? Alors, le cas de Paris est compliqué. Le cas de Paris, Paris perd des habitants depuis une dizaine d'années. Donc là, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Par exemple, on peut l'étudier très bien avec le taux d'enfants scolarisés qui en baisse continue dans le primaire à Paris depuis 10 ans. Mais c'est dû à beaucoup, beaucoup de facteurs très, très différents et de tendances différentes, avec l'augmentation du coût du foncier, avec le fait, avec la pression foncière, avec l'augmentation des locations saisonnières de courte durée, avec le type de logement qui est offert, et avec aussi, en concurrence, une offre de logement qui est en augmentation et qui peut être considérée comme de qualité en banlieue, avec différents types de mobilité qui sont offerts et qui permettent un éloignement
Donc, si vous voulez, on est sur des trajectoires et sur des facteurs qui sont tellement complexes qu'il est difficile de dire aujourd'hui, Paris a perdu de sa superbe et Paris n'attire plus. Aujourd'hui, je pense qu'on est davantage sur une question qui est majeure, qui est celle de la délimitation des périmètres. À savoir que considérer Paris comme une unité à part entière et la regarder pour elle-même fait relativement peu sens, sachant que l'ensemble des dynamiques sont liées avec la première couronne, la deuxième couronne et la troisième couronne. On est sur une échelle de bassin de vie qui correspond à des trajectoires résidentielles qui peuvent varier en fonction de différentes politiques. Mais ne pas prendre en considération cette échelle et essayer de voir, d'analyser sans prendre les dynamiques périphériques de Paris, la trajectoire de Paris me semble être un non-sens. Alors, il y a des villes ou des départements, je pense éventuellement à La Rochelle, à Niort, à l'Orne, éventuellement, qui sont des lieux qui se sont un peu gentrifiés. Les locaux ont vu débarquer des Parisiens ou des habitants des grandes villes. Ils n'avaient rien demandé et ils se retrouvent avec ces nouveaux voisins-là, avec tout ce qu'on connaît, augmentation des prix du foncier, augmentation des prix de la pierre, etc. Est-ce que ça se voit, ça se ressent, ça s'étudie et quels peuvent être les impacts de tout ça à court et moyen terme? Alors, cette question de la gentrification est une question aussi qui est complexe, mais qui est effectivement réelle. Après, certaines villes ont vu peut-être… Après, la question qui va se poser, c'est finalement ces Parisiens qui sont venus. Est-ce que ce sont des Parisiens qui ont acheté une résidence secondaire et qui viennent relativement fréquemment, peut-être plus fréquemment qu'avant dans ces résidences secondaires, justement grâce au télétravail, à certaines conditions qui leur permettent de rester plus longtemps, ou est-ce que ce sont vraiment de nouveaux habitants à l'année? Et là, je pense qu'en termes de gentrification, donc aussi, enfin, quand on va parler de gentrification, il y a deux choses. Il y a une dimension qui est purement économique et qui est celle de chasser dans les villes-centres, notamment les populations les plus pauvres, avec une amélioration aussi du bâti, du coût du bâti, et donc une augmentation du coût du bâti. Donc, on a ce phénomène qu'on peut voir effectivement dans des villes-centres, mais qui est aussi dicté, par exemple, si je prends le cas de La Rochelle, c'est moins le cas de Niort, mais le cas de La Rochelle, qui est aussi dicté par une augmentation spectaculaire du tourisme et des locations saisonnières qui enlèvent du marché de la location régulière de nombreux logements. Et on a aussi une amélioration de la qualité de l'espace public qui contribue aussi pour les locaux à cette gentrification. Ensuite, cette gentrification a une autre dimension qui va être une dimension plus sociale et d'acceptabilité sociale, à savoir est-ce que finalement ces personnes qui vont venir dans les villes vont contribuer à l'économie présentielle, vont y travailler, donc vont être considérées comme de véritables habitants, ou est-ce qu'on est sur le cas d'habitants de passage qui finalement se comportent comme des consommateurs d'un espace et finalement leur vraie vie est ailleurs. Donc là, je pense qu'il pourrait potentiellement y avoir des tensions importantes en fonction de cette assimilation d'une nouvelle population. Mais encore une fois, on est là à présent sur peut-être un certain phénomène de braquage et de sentiment d'envahissement, mais qui risque de s'apaiser relativement rapidement, d'une part parce que ces mouvements de population vont rapidement se stabiliser, et d'autre part parce que on va avoir aussi des phénomènes d'acculturation et de transformation de ces sociétés. D'accord. Dernière question, Chloé Voisin-Bormuth. Vous qui êtes géographe, est-ce que vous voyez, vous sentez, vous pressentez une redistribution de la population et de la carte de France? Est-ce qu'il y a des grands mouvements de population qui vont, d'ici 25-30 ans, se faire jour, avec des métropoles une ou plusieurs métropoles qui se videraient totalement, et des coins de France qui viendraient se peupler assez rapidement? Ou est-ce que finalement tout ça va rester dans des jauges proches de ce qu'on connaît aujourd'hui? Non, je pense qu'on ne va pas être sur un énorme transfert. Après, on verra ce qui va se passer plutôt en termes de changement climatique, d'impact climatique. Mais là, on n'est pas sur du 20-30 ans, on est sur des impacts qui sont à beaucoup plus long terme, qui pourraient potentiellement donner
des endroits qui sont plus à risque et donc qui contribuent à une fuite de population. Mais les grandes tendances me semblent être établies. Je ne pense pas qu'il y ait une métropole qui va se casser la figure demain. Ça, j'y crois absolument pas. On a besoin de ces métropoles et encore une fois, c'est une richesse pour notre pays. Comme c'est toute une richesse d'avoir ces villes moyennes, et ces villes moyennes ne resteront moyennes que si elles continuent à avoir une croissance limitée de leur population. Et d'ailleurs, les différents maires que nous avons pu rencontrer sont plutôt sur cette trajectoire de limitation de la population. Une chose qui va pouvoir peut-être se transformer, c'est pas tellement donc les grands équilibres nationaux, je ne pense pas, sauf exception, parce qu'il y a un cluster d'entreprises et qui se développe, un secteur de niche qui fait qu'il y a une croissance dans une région. C'est ce qu'on a vu par exemple la transformation de la Bretagne avec tout un ensemble de politiques et en même temps d'esprit d'entrepreneuriat local qui a transformé en très peu d'années toute la région de la Bretagne. Ça peut encore arriver, j'ai pas du tout les clés de ce qui arrivera et qui sera le grand gagnant demain. Mais par contre, ce qui peut changer, c'est avec toutes les thématiques de zéro artificialisation nette, c'est plutôt les équilibres à l'échelle locale, à savoir ça, je pense que ça sera même avant 20-30 ans, une contraction du tissu urbain versus la dilution qu'on peut avoir aujourd'hui et qui est assez controversée. Donc peut-être plutôt à cette échelle des transformations plutôt qu'à l'échelle du grand territoire national. Contraction du milieu urbain, ça veut dire des centres-villes très ramassés et assez vite autour des couronnes beaucoup plus végétalisées avec une densité de population moindre. Mais écoutez, moi, il me semble que le grand enjeu finalement aujourd'hui et demain, ça va être cet enjeu du périurbain. On se focalise beaucoup aujourd'hui sur cette bataille entre métropole et ville moyenne, qui me semble être un débat qui va vite être dépassé. Mais par contre, cette question de la tension entre, d'un côté, la ville-centre, la revitalisation et l'envie véritable des habitants de la ville-centre, c'est ce qu'on a vu dans notre sondage, c'est ce qui est attendu d'une ville moyenne, à savoir une urbanité de la ville-centre, etc. Mais en même temps, on veut habiter en périphérie. Et d'un autre côté, l'ensemble des politiques nationales vont à l'encontre de cette tendance à la dilution urbaine et donc à l'artificialisation des terres agricoles pour construire la maison individuelle qui reste le modèle attendu et espéré par la majorité des Français, par 75% des Français, donc on ne peut plus l'ignorer. Ce n'est pas un accident, cette envie. Là, il va y avoir une véritable tension. Et soit on choisit d'ignorer cette envie et on choisit de densifier très fortement le périurbain en disant ben, on va faire du collectif pour régler la question, pour avoir un système de transport qui est plus efficace, etc. Mais on va transposer le problème parce que finalement, les gens iront plus loin, encore une fois, et donc on va augmenter les problèmes. Soit on va essayer d'être un petit peu inventif avec ces communes périurbaines, les considérer pour ce qu'elles sont, pour la qualité de vie qu'elles peuvent aussi offrir, et réussir à inventer une nouvelle forme de densification très douce qui permette à la fois de concilier les aspirations des Français à cette maison individuelle avec jardin, mais il y a plein de formes très très différentes, et en même temps réussir à revitaliser les villes-centres avec aussi des formes d'habitat individuel qui peuvent être très intéressantes. Et arrêter de penser que dans tous les centres-villes, il ne faut que du collectif sur le modèle métropolitain, mais que les villes moyennes se sont constituées aussi avec de l'habitat individuel, par exemple des maisons individuelles en bande, où on peut avoir des formes qui sont très denses et avec une très forte qualité de vie, et là réussir à séduire une certaine part de la population, et on pourrait ici avoir une gentrification souhaitée pour D'accord. avoir des habitants dans les villes-centres et pas uniquement que des commerces et au-dessus des commerces, des logements qui sont vacants, comme on le voit, même dans des villes qui fonctionnent très très bien, de type balance, qui a une proportion de logements vacants assez importante. Merci beaucoup Chloé Voisin-Bormouth, merci de nous avoir éclairé de vos lumières. Et bonne journée. Vous en prie. Merci beaucoup pour votre invitation. À très bientôt. Merci Jérôme Béglet. Intéressant d'avoir des chiffres et d'objectiver effectivement un peu toute cette situation. J'ai retenu densification douce.
Ah oui, ça, c'est, ce serait le rêve. Merci, merci beaucoup. Alors, la culture résonne fort ici dans ce lieu du Centre universitaire méditerranéen, créé en 1933. Avec Paul Valéry comme premier administrateur. Notre prochaine invitée est comédienne et metteuse en scène, première femme à avoir dirigé l'Académie française et la Villa Médicis. Aujourd'hui, elle est la directrice du Théâtre national de Nice. Vous allez l'entendre dans quelques instants. Il s'agit de Muriel Mayette-Holtz et Christophe Onodibio, qui est directeur adjoint de la rédaction du Point, l'interviewera ceci dans quelques minutes.